Éducation civile si vous faites dans le pays à côté pour nous connaître les après-midi et c'est nous tous les humiliés. Donc nous demandons des populations pour boycotter les produits qui sont ici Saint-Domingue. Mais commerçants eux-mêmes, nous devons commencer par eux-mêmes pour ne pas vendre des produits dominicains dans l'étage market. Très souvent, les n'a pas de ça. Donc c'est précisément qui fait là. Pas de dignité dans les gens qui ont maltraité nos République dominicaine. Et pour cela, nous venons aujourd'hui pour que nous voulons un message clair. Pour nous dire que le peuple n'est pas d'accord. Nous pas d'accord. Et si nous pas d'accord, il faut qu'ils rectifient. Et sinon, bagala pis devant, libéral fatal. Il y a une autre grosse décision qui prend. Le message là, il y a deux aspects fondamentaux là-dedans. Un, c'est le gouvernement haïtien Mandel pour prendre responsabilité vis-à-vis du gros drame. Ça veut dire demander solidarité internationale pour que vous venez aider nous protéger là. Et puis deuxièmement, le message c'est à jeune Dominique pour dire attention. Attention, nous pas d'accord. Et là, nous pas d'accord, il y a un pile bagage nous café. Il y a un pile bagage nous café. Nous comptons ça nous représenter pour la République dominicaine dans le thème, sur le plan économique. Hein? Si je dis à nous camper, il y a un coup oui. Et pour cela, nous disons nous pas d'accord. Et c'est ça qui explique le président Boïsien. Monsieur le Premier ministre, nous, les organisations signataires de cette lettre, vous présentons nos compliments et réclamons de votre gouvernement la ferme détermination à défendre la dignité nationale et à exiger le respect pour le peuple haïtien. Les menées subversives anti-haïtiennes, ingénieusement conçues par des dirigeants dominicains, sont révoltantes. Des Noirs, notamment ceux que l'anti-haïtianisme consacré des Dominicains cible comme haïtiens, se retrouvent matraqués, égorgés, mutilés, pendus, fusillés, séparés brutalement de leur famille, coupés de leurs racines, dépouillés de leurs biens et expulsés vers Haïti. Des substances cancérigènes, nocives, toxiques sont mélangées aux produits agroalimentaires destinés à la consommation haïtienne. On marche de la dignité. On a parlé de dignité, ça veut dire nous toutes en bas de rapport. Nous toutes autour de rapport. Nous toutes dans le bas de rapport. Nous avons un pile plaisir, un pile honneur pour nous saluer compatriotes qui sont prêts à la rue
pour exprimer une position patriotique, une position de solidarité envers frères nationaux qui victime en pile humiliation dans le pays voisin. Moi, soulagé par manifestation d'engagement citoyen ça, mais surtout par contenu, par tout point qui est avancé dans la pétition, qui fait partie de réflexion, de préoccupation au gouvernement, et que m'engage dans concertation avec pouvoir politique là en général. Ça veut dire que la présidence et le gouvernement pour au plus vite nous bail réponse appropriée à tout point qui soulevé. Moi surtout encouragé par slogan qui sous maillot qui était dans massa production nationale. Nous connaît tout problème n'a confronté par rapport à pays voisin, c'est déséquilibre qui gagne dans question production nationale là qui pas veut dire seulement production agricole qui fait non seulement frein action nous pour aller chercher humiliation yo bay force courage presque pour rien mais nous même tout petit cop nous gagne n'a pas acheté bien à service la caillou toute qualité bien toute qualité service qui fait que nous recevons même mauvais produits qui ca mettait la vie citoyen nous en danger. Gouvernement a travaillé sur tout point ça yo et question des compagnies qui jouent un contrat qui pas même utiliser main d'œuvre nationale là, c'est une question qui préoccupe nous. Nous croyons que l'important en tant que pays pour nous tenir compte de toutes les conventions internationales du vivre ensemble entre les peuples, du vivre ensemble entre les nations, du vivre ensemble entre les États, à travers toute association, nous sommes là-dedans, aux Nations Unies, l'OEA, CARICOM et la Trier. Mais au-delà de toute considération, ça y est, pour nous défendre intérêt peuple, nous, intérêt pays, nous. Et ça, il faut faire notre tête ensemble, sans considération idéologique, sans considération politique, si nous avons pouvoir, si nous avons opposition, c'est l'État haïtien. Et l'État fondamental, l'État, c'est nous tous. L'État, c'est lui-même qui, pour, à travers les générations, toujours qu'un belin qui pour faire que dignité a sauvegardé. Et en ce sens, dans nos l'État, nous avons dit tout citoyen qui était dans la rue, merci pour l'engagement. Nous prenons acte de pétition ça. Nous prenons acte de toute position et proposition qui exprimé dans la pétition ça. Et nous pourrons le concerter au plus vite pour nous porter réponse appropriée qui correspond à l'aspiration du peuple haïtien. Je vais profiter de son appel. Pour nous dire tout haïtien, nous tous concernés, frères actions nous qui viennent, nous avons un problème. C'est vrai, la première responsabilité, c'est l'État qui t'a doué pour un en charge. L'État a fait ça le capable, mais nous connaissons l'État a une faiblesse. Il n'est pas capable de faire nous croire un bagage qui passe ça. Il dans les yeux, nous connaissons. Nous-mêmes, tout comme citoyens, exprimer solidarité nous envers frère action nous.